je suis Madame Soizic, enseignante en école de cinéma d'animation et aujourd'hui nous allons parler de reconversion en art. Vous avez été en effet assez nombreux à m'interroger sur les possibilités de réorientation ou de reconversion en art, ou plus spécifiquement en cinéma d'animation, après avoir commencé des études, voire une carrière professionnelle dans un domaine complètement différent. Donc si c'est votre cas, cette vidéo est faite pour vous. Il y a quand même réorientation et réorientation, parce que je reçois aussi bien des messages de personnes dans le milieu de leur vingtaine que de personnes de 30 ans et plus. Et toutes ces personnes ont peut-être pas les mêmes objectifs en tête. Donc voyons ensemble ce qui est possible. Ça vous dit ? Allez, c'est parti ! Je profite de cette vidéo pour vous annoncer, si vous ne le savez pas encore, que j'ai ouvert une boutique en ligne. Ça s'appelle La Boutique de Madame Soizic et vous y trouverez des stickers avec Lalou et Pico, qui sont deux petits personnages que j'ai créés, ainsi que des dessins originaux et peut-être d'autres produits à l'avenir. Je vous mets le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller y faire un tour et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram @madame_soizic pour être au courant des nouveautés. On revient à notre vidéo. Reprendre les études à l'école. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets quand même de vous rappeler que j'ai déjà fait plusieurs vidéos consacrées aux différents parcours d'études en art, une vidéo consacrée plus spécifiquement aux différents parcours d'études en cinéma d'animation et une autre vidéo encore consacrée aux prépas, prépa art et prépa cinéma d'animation. Donc je ne vais pas tout répéter ici et si jamais il y a des informations qui vous échappent dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos. Je rappelle quand même l'essentiel de ce qu'on a déjà vu et on enchaîne. Un parcours d'études en art classique, si vous n'avez pas un bac STD2A, c'est une année de prépa, prépa art ou prépa cinéma d'animation, puis si vous avez réussi les concours d'entrée aux écoles supérieures, un cycle d'études supérieures, à la fin duquel vous obtenez un diplôme de type bac plus 3, puis si vous le souhaitez, un second cycle d'études supérieures, à la fin duquel vous obtenez un diplôme de type bac plus 5. Je répète, il n'est pas obligatoire de passer par une prépa. Vous avez tout à fait le droit de vous présenter au concours des écoles supérieures sans avoir fait de prépa. Mais soyons honnêtes, vous aurez alors beaucoup moins de chances de réussir les concours. Surtout en ce qui concerne les écoles supérieures de cinéma d'animation. L'âge requis pour entrer en prépa ou en première année d'études supérieures est indiqué sur le site internet des écoles, qu'il s'agisse de l'âge minimum et ou de l'âge maximum. Ces âges peuvent varier d'une école à une autre. Chaque école décide de ses règles et vous pourrez trouver cette information dans les onglets admission, conditions d'admission, modalités d'admission des sites internet de chaque école. C'est également là que vous verrez si les écoles imposent d'avoir le baccalauréat pour y entrer ou si elles acceptent d'autres types de diplômes tels que les bac pro, les BT, les BEP, les CAP. Là encore, ça pourra changer d'une école à une autre, donc vous devez lire les conditions d'admission de chaque école et faire la liste de celles qui correspondent à votre situation. Si l'école n'indique aucun âge maximum pour être admis, vous pouvez alors en déduire que vous pouvez vous y présenter quel que soit votre âge. Si la majorité des étudiants en classe prépa ont entre 17 et 19 ans, on y trouve également beaucoup d'étudiants qui ont entre 20 et 23 ans. Ensuite, il est vrai que les étudiants intégrant une prépa après 23 ans sont plus rares, mais pas extrêmement rare non plus. Il y en a toujours quelques-uns dans les classes et ils s'intègrent très bien aux autres. Il y a quand même un âge un peu symbolique qu'on voit plus trop sur les bancs des écoles, c'est 30 ans. C'est en effet vraiment plus rare de croiser des étudiants de 30 ans ou plus en prépa ou en première année d'études supérieures. Déjà, si vous avez plus de 30 ans, vous ne pouvez pas vous inscrire sur Parcoursup. L'âge limite pour s'inscrire sur Parcoursup, c'est 30 ans. 29 ans révolus pour être précise. Donc si vous avez plus de 30 ans, vous pouvez déjà éliminer de votre liste toutes les écoles dont l'inscription se fait sur Parcoursup. Mais il reste encore pas mal d'écoles dont l'inscription ne se fait pas sur Parcoursup. Dans le passé, j'ai déjà croisé deux femmes de 34 ans en classe prépa et cette année, j'ai reçu un message d'un homme dans sa quarantaine hyper heureux de m'annoncer qu'il venait d'être admis en première année dans une école d'animation 3D. Je pense quand même que ces trois cas sont plutôt rares, mais au moins, ils prouvent que c'est pas complètement impossible. Si les étudiants de 30 ans et plus se font rares sur les bancs des écoles, c'est aussi qu'il est rare de trouver des personnes qui ont le courage et ou les moyens de reprendre des études à l'école depuis le début. Parce qu'il y a un point que j'ai peu développé dans les précédentes vidéos, c'est l'emploi du temps type d'un étudiant en art.
J'ai parlé du type de cours que vous pourrez avoir en école d'art, mais j'ai peu parlé du temps que ça occupe. Je profite donc de cette vidéo pour clarifier la question. Qu'il s'agisse de la prépa ou des études supérieures, vous devez vous attendre à avoir en moyenne 35 heures de cours par semaine, plus pas mal de travail à faire à la maison. Ça peut varier d'une école à une autre, mais en moyenne, c'est ce à quoi vous devez vous attendre. Vous bénéficierez des vacances scolaires, parfois une, parfois deux semaines à chaque vacances, mais attention, avec aussi pas mal de travail à faire pendant les vacances. Et généralement, une année scolaire commence début septembre et se termine fin juin. Certaines écoles commencent leur année en octobre. Et attention, sachez qu'en France, vous ne pouvez bénéficier de la bourse étudiante du CROUS que jusqu'à l'âge de 28 ans. Tout le monde ne peut pas bénéficier des bourses étudiantes du CROUS. Hein. Ça dépend des revenus de votre foyer, de la ville dans laquelle vous faites vos études, du type d'établissement scolaire dans lequel vous faites vos études. Bref, il y a pas mal de critères. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez plus de 28 ans, vous ne pourrez pas en bénéficier. Voilà donc pourquoi je dis que peu de personnes de 30 ans et plus ont le courage et ou les moyens de reprendre des études à l'école depuis le début. Alors, est-ce qu'il y aurait des alternatives? Reprendre les études en ligne. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas retourner sur les bancs de l'école, l'alternative c'est les cours en ligne. Et d'ailleurs, c'est une alternative qui n'est pas réservée aux 30 ans et plus. C'est une alternative qui peut convenir à toute personne qui aurait des difficultés à suivre un cursus scolaire dans un système classique. Alors sur internet, j'ai tapé école d'art en ligne, école cinéma d'animation en ligne, formation artistique en ligne, et j'ai trouvé plusieurs sortes de résultats. Des formations longues, en 3 voire 5 ans, des formations courtes, en 6 mois ou 1 an, des formations continues, des formations en alternance, des formations diplômantes, avec diplôme reconnu par l'État, d'autres non, des programmes en plusieurs chapitres de cours et avec possibilité d'interagir avec un enseignant, des cours en vidéo à la carte, donc plutôt sur des sujets spécifiques et sans interaction possible avec l'enseignant. Bref, les cours en ligne, c'est pas une alternative, mais c'est plusieurs alternatives. Alors bien sûr, pour faire votre choix parmi toutes ces formules, tout dépend de vos objectifs, de là d'où vous partez et de l'investissement que vous êtes capable de mettre dans votre formation. Quand je parle d'investissement, je parle principalement en termes de temps et de pratique d'exercice. Hein. Mais on peut aussi parler d'investissement en termes d'argent, parce que vous trouverez des prix très variés pour tous ces différents types de formations. Je vous mets les liens de ces sites en description de la vidéo, maintenant qu'on soit clair. Je ne connais pas du tout ces écoles en ligne slash formations en ligne. J'ai aucune idée de ce qu'elles valent et ceci n'est en aucun cas de la publicité pour aucune de ces écoles en ligne slash formations en ligne. Quelle que soit leur forme, les méthodes d'enseignement en ligne dans les filières artistiques sont toutes relativement récentes. J'ai moi-même jamais pris aucun cours en ligne et je connais personne dans mon entourage qui vienne de ce type de parcours. Quitte à vous en parler, autant que je vous donne les liens, ce sera plus rapide pour vous, mais je vous recommande vraiment de bien lire toutes les descriptions de cours, de programmes, de télécharger les brochures ou de donner votre mail pour qu'on vous envoie les brochures. Inscrivez-vous aux journées portes ouvertes en ligne s'il y en a. Bref, renseignez-vous bien et comparez les différentes formules avant de vous engager et de dépenser votre argent. Et si parmi vous qui nous regardez, il y en a qui ont déjà fait l'expérience de cours en ligne, vraiment, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires de cette vidéo. Je pense que c'est exactement comme pour les écoles physiques. On trouve sûrement de tout dans ces formations en ligne. De formations honnêtes et de qualité à de grosses arnaques en passant par tout ce qui peut exister entre les deux. Mais en fait, que vous commenciez à 18 ans ou à 43 ans, que vous choisissiez de faire vos études dans une école physique ou dans une école en ligne, c'est la même chose. Votre réussite, elle dépend principalement de là d'où vous partez, de l'objectif que vous visez et de l'investissement que vous mettez dans votre formation. Voilà une phrase que je répète souvent à mes étudiants. Il faut se donner les moyens de ses ambitions ou il faut revoir ses ambitions en fonction de ses moyens. Alors, si vous n'avez aucune idée de ce que ça implique concrètement, disons que si pour l'instant vous dessinez comme ça, non, vous ne serez pas capable de dessiner comme ça au bout de 6 mois en faisant 3 heures de dessin par semaine. Non, vous ne serez pas capable d'animer comme ça au bout d'un an en faisant 1 heure d'animation tous les soirs. Ça, non. Ce ne sera pas possible. Mais c'est peut-être pas ça du tout que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être des objectifs bien différents. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai déjà pu répondre à plusieurs de vos questions sur les possibilités de réorientation en art.
Mais vous aurez peut-être aussi compris que la conclusion de cette vidéo, s'il y en avait une, ce serait « ça dépend des cas ». Et ça, peut-être que ça vous aide pas beaucoup dans vos démarches. Si après tout ça, ce qui vous manque, c'est un échange avec quelqu'un pour faire le point sur votre niveau, sur vos objectifs et sur les chemins possibles pour y arriver, sachez que je peux faire office de conseillère d'orientation. Je vous le dis tout de suite, je fais pas ça gratuitement, hein. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail à madamesoisic@gmail.com et je vous enverrai plus d'informations sur ma façon de procéder. Vous pouvez mettre conseillère d'orientation en objet de votre mail et comme ça, je saurai tout de suite ce que vous voulez. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo sur la réorientation en art. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'aurai pu répondre à vos questions, à certaines du moins. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens utiles en description. Les bons élèves qui sont restés jusqu'à la fin de ce cours, vous pouvez mettre un emoji hibou en commentaire pour que je vous reconnaisse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, voire à partager cette vidéo si elle vous a été utile. Et n'hésitez pas à partager votre expérience ou à poser vos questions en commentaire. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique de Madame Soisic et de me suivre sur Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !